Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode 2 Fallout 4. Donc chers amis, nous avions fait la girouette, la 360 en escaladant plus ou moins sans aucune pitié notre bâtiment via le jetpack. Un paquet d'infos. À première vue, l'atmosphère a l'air normale. Mais je vais creuser un peu plus ces données. D'accord. Si vous avez un peu de temps, j'ai déjà trouvé un autre endroit où placer un de mes bébés. Ouais bah écoute, on est parti pour. On prend. Et donc ce sera emplacement de Parkview Apartments. Pourquoi pas? Moi j'aimerais bien qu'il y ait un endroit pour réparer mon armure assistée, mais je pense pas je que tu essayes. Oh, une ils ont ça. Hop. Parfait. Par contre, est-ce qu'ils vont avoir le bordel pour réparer? Vous voyez me construire une maison? Je l'appellerai la Casa del Dicon. Ouais, ils ont rien du tout. Je commence à en avoir marre d'attendre. C'est pas grave. Eh ben, on y va! Hop! Je vous ai tous trahi, les filles, au fait, au passage. Hein. Enfin bon. Ah oui, Kate. Kate et ta petite romance, on avait flirté un petit peu avec. Alors, c'est censé être où tout ça? Parce que je vois. Je connais le nom de l'endroit, je reconnais le nom en fait. D'accord, en plus maintenant ils veulent observer chez. Bah écoute, on y va. Ils vont observer. Donc en fait, ils ont un truc pour observer dans Good Neighbor, ou pas loin en tout cas. Et un truc pour observer dans Diamond City, ce qui est complètement en fait craqué. Hein. Soyons honnêtes, hein, ils nous le disent pas, mais c'est ça le principe. Hein. Mais bon. C'est un peu long. C'est extrêmement long. C'est beaucoup trop long. Alors. Moi, c'est ma sixième vidéo de la journée, chers amis. Hein. Là, je commence à être au taquet. Là. Oh non. Je teste ces saloperies. Hey. Croyez. Non, il va y avoir trop haut. Un bruit. Putain, pourvu que ce soit pas encore. Y'a plus rien. C'est pas trop. Et le y a quelqu'un. Ah, oh, mais y'a du monde partout, quoi. Ok, ça suffit les conneries. Qui est là? Je crois que j'ai du chien. Ok. C'est bon. Ouvrez l'œil. Wow. Je crois que cette enflure a un stealth boy. T'as entendu quelque chose? C'est pas vraiment un stealth boy en fait. Stealth boy, pardon. J'aime pas trop qu'on se foute de ma gueule. Donc c'est là où qu'il faut aller. Le problème, c'est que je vois pas mes ennemis. Ah, mais eux m'ont vu. Joué, belle esquive. Hop. Ok, j'ai réussi à traverser la rue. Génial. Le légendaire. Il avait pas d'arme légendaire? Alors là, ça c'est surprenant. Ou alors c'est lui qui lui a pris. C'est lui qui lui a pris. Hein? Oh, je pourrais faire ça toute la journée. Ah, je suis full. Hey. Puis tu vas être full aussi, je crois. Tu veux pas le prendre? Non, t'es trop full. Non, annulé. Annulé. Que tu veux? Non, je vais le jeter, hein, tant pis. Hein. Voilà. Jeter R. Et normalement, c'est des fois ça marchait dans les anciens, hey, dans les Skyrim. Ce que tu veux que je fasse et je m'y mets. Vous venez d'où?
Tu l'as pris ou c'est moi qui l'ai pris? C'est moi qui l'ai pris. Ça que t'es en train de me dire. Ok. Ça va chier. Qu'est-ce qui se passe? Ah, pourquoi j'ai été projeté en arrière? Je sais pas. Mais bon. On va prendre carbonisateur, ça fait longtemps. Ouh! Ouh! Quoi? Pourquoi garde Diamond City? C'est pas ce que je veux! Je voulais pas le tuer, moi, le garde de Diamond City! Je voulais pas le tuer, moi! Danny Sullivan? Mais c'est quoi ce bordel? Attendez, y'a un truc qui va pas là. Pourquoi j'ai dû tirer sur lui? Ah, puis j'ai pas, ça a pas fait de sauvegarde rapide tout à l'heure. Bon, tant pis, on fait la fuite. On verra bien ensuite. J'ai rien senti. Salut les pillards! Oh, ça chauffe. Ah, faut pas que j'aille au corps à corps avec ça. Si, c'est ça. Hop. Hop. Corps à corps. Ça fait mal. Ok. Est-ce qu'il est là? Ok. Où est-ce qu'elles sont les tourelles? Hop. Heureusement que j'ai des munitions. Hein. Tu me feras pas de mal. Je bouge trop. Je bouge trop. T'es sérieux? Tiens! Est-ce qu'il reste des gens? Oh la vache, la charpie que ça a fait quoi! Oh, j'allais dire c'est limite dégueulasse, mais non, c'est complètement dégueulasse en fait. Ok. Salut Kate! Wouah, la charpie que ça leur a mis quoi. Ce qui me fait plus chier par contre, c'est pour vraiment le bonhomme de tout à l'heure là. Ok. Ok. Où est-ce que c'était censé être, on a dit? De l'autre côté? C'est là-bas. Franchement, ça me fait chier pour le garde. Ok. Ouais, bah ça donne clairement sur... Ah non, même pas. Le Diamond City en fait c'est par où là? Ah bah c'est de l'autre côté. Donc ça doit c'est pire encore, ça donne clairement sur l'entrée de Diamond City. Ok. Hop. Parce que là j'y vais 500 balles par 500 balles, bah putain. C'est d'une violence. Bon, ça c'est fait. Je me demande combien il va vouloir qu'on en pose en fait de ces saloperies là. Parce que si c'est ça l'avancée de la quête, c'est pas tip top non plus. Hein. Alors. Ok. Carrington veut vous dire un mot. Merci. Tiens. Oh pardon, excuse-moi, je range la... Sinon je vais mettre du sang partout. Avec le projet Mila, il faut pas avoir le vertige. Cache, allié. J'ai repéré un autre bâtiment qui pourrait accueillir un Mila. Donc pointeur pour dire un sens. Ok, merci. Oh, on peut parler commerce. Safe house, dead drop. Dead drop. Danger, d'accord. Corrington. Je viens d'entendre une rumeur absolument fascinante. Desdemona. Je viens d'entendre une rumeur absolument fascinante. Je t'écoute. Il paraît que vous avez trouvé l'institut. Et même que vous y avez fait un petit tour.
C'est fou, non? C'est vrai. Et pourtant, c'est vrai. Deacon dit que vous avez utilisé la téléportation. C'est vraiment incroyable. Vous devez éprouver une grande fierté en voyant tout ce que vos miliciens ont accompli en si peu de temps. Un jour ou l'autre, les miliciens concocteront leur propre plan pour venir à bout de l'Institut. Qu'est-ce que Mais ça veut dire? Mais je doute fort que sauver les synthétiques soit une priorité pour vos soldats. Je compte sur le fait que le sort des synthétiques vous importe tout autant qu'à nous. Je vous en prie, travaillez plutôt avec nous. J'aimerais pouvoir dire j'ai choisi l'Institut. Mais non. Alors comme ça les miliciens n'aideront pas les synthétiques. Les miliciens n'aideront pas les synthétiques. Ils ne reflètent que trop le caractère des habitants du Commonwealth, un caractère plus que discutable comme on a pu le voir bien souvent. Les synthétiques sont des réceptacles tangibles de leur haine pour l'Institut. Si vous leur ordonnez de les aider, ils se mutineront. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Prenez le temps d'y réfléchir. Mais n'oubliez pas, le sort des synthétiques est entre vos mains. Me dis pas qu'il va falloir que je fasse un choix. Ah, plus qu'une heure avant la fin de mon quart. C'est toi le prof ? Carrington, bonjour. Allez ! Feignasse ! Putain, il a sa baignoire, quoi ! Ah, vous voilà. Parfait. Il y a du nouveau. Je t'écoute. Une bande de pillards a capturé l'un de nos agents. Nom de code, Corbeau. Le problème, c'est que nous pensions qu'il avait été tué. Au repère Augusta. Aussi improbable que ce soit, Desdemona espère que Corbeau est bel et bien vivant et qu'il pourra nous dire ce qui est arrivé des synthétiques d'Augusta. Et c'est vous qu'elle charge de cette tâche futile. Futile ? C'est vraiment une tâche futile. Quand on multiplie les suppositions, on obtient rarement ce qu'on espérait. Pas faux. À mon avis, on ne trouvera rien d'autre qu'un cadavre. Vous trouverez toutes les infos dans la boîte aux lettres mortes. Les prisonniers des pillards n'ont pas une grande espérance de vie. Enfin, bonne chance quand même. Ouais. Nombre de morts, 2. Si c'est une suite... Ouais, c'est une suite de quêtes comme ça, où il n'y a que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Bah, vous savez quoi, chers amis, je vais aller voir déjà les quêtes... Les noms des quêtes, comment, du réseau du rail. Pendant ce temps-là, nous, on va se téléporter là-bas. Hop. Voilà, on va aller réparer notre armure. Hop. Non. Je ne veux pas voir ça. Hop. C'est long comme chargement. Bon. Écoutez, je reviens. Ok, re, chers amis. Une petite pause d'eau peut... Suffit de le dire. Non, je te remercie. Alors. On va, normalement, on va essayer quelque chose, hein. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Hop. Où est-ce que je l'ai mis? J'ai dû le ranger là-dedans. Voilà, celui-ci. Vous voyez qu'il n'y a rien qui est affiché dessus. C, type de dégâts, ouais d'accord, voilà, on peut voir les différents. Donc oui, il n'y a rien du tout qui est en rapport avec ce truc-là. Cependant, si on l'équipe... Hop. Well rested. Donc normalement, si on va dans stat... Je sais pas si ça s'affiche normalement. Non, ça se verra peut-être pas. Ça se voit peut-être pas, hein, c'est possible. On a l'aptitude normalement, well rested, donc qui permet d'avoir un petit peu plus d'XP. Donc ça c'est toujours agréable. J'ai réparé l'armure, on va y aller. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire? Telle est la question, chers amis. Hein. J'en ai aucune idée. Hop. J'ai aussi modifié un petit peu mon équipement, vous voyez qu'à la place du Goo Gun, j'ai repris ça. Bon, il y a de ce côté-là, il y a ça aussi. À la place du chute, ça fait boum, j'ai mis la moulinette. Parce qu'elle fait extrêmement mal. Hop. Voilà, c'est dit. Et donc maintenant, on est parti, chers amis.
C'est marrant, regardez sur ça et ça, mon poids. Ah non, c'est mes PV, je suis trop con. Où est-ce qu'on pourrait aller? Par là, on n'a rien vu. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on a comme quête actuellement? Girouette, comme d'hab. Et nombre de morts. Bon, ça, ça m'intéresse pas. Mass fusion, j'ai bien envie d'y aller, mais j'aimerais d'abord avancer un petit peu. Tiens, les miliciens, effectivement, ça fait longtemps. Le château, il est où à la base? Il est censé être... Là, exact. Hop, allons-y. Les pistolets, fusils laser, infligent apportant des dégâts d'énergie, peuvent totalement désintégrer les ennemis vaincus. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il est stylé celui-là. Il est en automatique. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'armes automatiques, mais j'aime bien gérer... j'aime bien une arme précise, moi, en fait. Une arme qui a une bonne précision, c'est toujours agréable. Je comprends pas ces miliciens. Pourquoi ils se font chier à aider une bande de fermiers et de colons minables sans que ça leur rapporte rien? Parce que c'est des miliciens, voilà, point barre. C'est leur boulot, c'est leur job. Ok. Yo les filles. C'est papa. La forme? Ah, voilà enfin. On a des trucs importants à se dire. Ah bon? Me voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Ronnie Shaw, des miliciens du Commonwealth. Du moins, j'en faisais partie. Avant que Joe Baker se fasse tuer et qu'il soit remplacé par des incapables. Vous m'insultez. Je n'aime pas trop ce que vous sous-entendez. Du cas. Joe Baker est mort des années avant votre arrivée. Ouais. Il parle de la bande de clowns qui a laissé les miliciens s'effondrer. J'avais aucun respect pour eux. Alors je me suis barré. Bonne chose. Venez-en au fait. Venez-en au fait. C'est ce que j'essaie de faire. J'ai entendu dire que vous vouliez remettre les miliciens sur pied. Et j'ai eu envie de rencontrer le nouveau général. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous fait croire que les gens ont envie de voir revenir les miliciens? Je n'ai pas de compte à vous rendre, soldat. Allez pas prendre la grosse tête juste parce que les autres vous appellent général. Chez les miliciens, le respect, ça se gagne. Regarde mes fringues. J'ai entendu des retours positifs sur ce que vous avez fait. Sinon, je ne serais pas là. Maintenant que je suis là, je vois que vous avez vraiment besoin de mon aide. On devrait pouvoir vous trouver une utilité. Vous trouver une utilité. Sans blague. Mais j'avais quelque chose de plus précis en tête. Ouais. Je suis sûrement la seule à m'en souvenir, mais l'arsenal du château se trouvait dans le bastion ouest. Ouais. C'est là qu'on stockait notre meilleur équipement. Armes, munitions, plans et tout le reste. Venez, l'ouest. Je vais vous montrer. Ah oui, la fameuse porte inouvrable. Bien. On dirait qu'il n'a pas été touché. La porte est toujours verrouillée. Et le bastion ne s'est pas effondré. Maintenant, il faut trouver le moyen d'entrer. Je t'écoute. Bah t'as qu'à ouvrir la porte. Vous savez comment ouvrir cette porte? Non. Et même si on réussissait à la faire sauter, ça détruirait sûrement tout ce qu'il y a dedans. Si oh putain. Si on ne peut pas faire sauter l'obstacle, il faut le contourner. On va jeter un œil au bastion nord-est. Mais bien sûr. J'aime pas qu'on me donne des ordres. Oh là là. Ah oui, c'est là où il y a les fameux points et... Eh oui, je me souviens. Voilà, les fameux gravats. Par contre, elle doit être lente. Ça y est. C'est pas pressé, hein. Attends, je te pousse. Oh putain. T'as quelque chose à me dire? Allez! Les quartiers du général, si. Il y avait un tunnel qui les reliait à l'arsenal. T'es au courant d'un petit peu trop de choses. Le tunnel est bloqué par ces gravats. Oh. Dégager tout ça. Ah oui. Elle prend une pelle. Allez, général. Quoi? Dépêchez-vous de déblayer ces gravats. Et tu t'assois à ma place? Putain. Comment ça, dépêchez-vous de déblayer tous ces gravats? Me dis pas qu'il faut que je vienne prendre une pelle. Ah. D'accord, je viens de comprendre. Oh la gueule. Gravats, recyclé, béton 6. Voilà. J'ai fait tout le boulot.
Je descends. C'est pas pareil. Parce que bon... Oh, sympa. Oh, tellement sympa. Génial. C'est terminé. Attention, vous mettez les pieds. On voit pas grand chose. Non mais c'est bon, je crois que tout a pété là pour le coup. Ah, on avait quelques boulets de canon. Ça tombe bien. Hop. J'aime ça, les boulets de canon. Oh, me suis pas. Ah, mine. Ok, problème résolu. Mine. Je sais pas si c'est une bonne idée de se promener dans le sous-sol d'un bâtiment qui a 6 ou 700 ans. Attends. Et voilà le travail. Hop, pardon. D'accord. Bon, on progresse alors. Mine. Un cul-de-sac. Là aussi. Ok. Pas de mine. Prends tout ce qui pourrait servir. Mine. C'est tranquille ici. On devrait peut-être en profiter pour dormir un peu. Mine. Mine. Je vais pas le dire à chaque fois les filles. Hein. Faut alors que vous réagissiez un peu plus. Hein. Hop. Sarge. Bah merde. J'aurais jamais cru que ça serait un truc. Avec la liste de miliciens connus. Erreur. Corruption des fichiers détectés. Hop, merde. De Dieu, il déconne. Attention. Ok, il chie dans la colle. Comment péter un robot, chers amis? Moi, je vais vous montrer. Tu veux te la mettre? On m'appelle le broyeur dans le métier. Dommage que ça, j'ai perdu la boule. Il gardait le château depuis toujours d'un peu plus cher. Allez, boss. Je connaissais le mot de passe. La chevauchée nocturne. Non, c'est pas ça. T'es dégueulasse. Pour le Commonwealth. Merde, non. Ça fait trop longtemps. L'union fait la force. Ah, c'est déjà plus oui, propre ça quand même. Ça. Terminal de sécurité. Qu'est-ce que c'est? Commande à la porte de sécurité. Fermez la porte. Faites passer les filles. Oh merde. Kate. Kate. T'es con, Kate. Ça explique toutes ces... Mine, c'est... Enfin, c'était le général McGann. C'est lui qui commandait quand je me suis engagé. Oh, mais c'est qu'il avait une belle tenue en plus. Quand le monstre a attaqué le château. Au moins, il a réussi à protéger l'arsenal. Bien. Complètement à poil aussi, maintenant. Général, vous pouvez prendre l'uniforme si ça vous fait plaisir. Lui, il en a plus besoin. T'inquiète pas. Reposez en paix, général. Vous avez livré votre combat et les miliciens vivent encore. C'est tellement moche par contre, mon pote. Pas la peine de sortir les violons pour un truc qui s'est passé il y a 40 ans. Allez, on y est presque. Ouais, ouais, j'ai bien compris. Tu parles, mais t'es plus là. Bon, Bastion Ouest.
Alors. Qu'est-ce que... Ok. On ouvre la porte. Là, on y est. Vous avez bien dit que vous rentrez là. Voyons un peu ce qui reste d'intéressant. Des tourelles piégées, différents pièges. Un Fat Man. Plan d'artillerie, ça va être ça qui est intéressant, j'imagine. Mais l'arsenal est toujours intact. Il n'y a plus qu'à se servir. Et la cerise sur le gâteau, les plans de fabrication de pièces d'artillerie. Baseball grenade, génial. Je vais tout laisser là par contre. Hein. Des pièces d'artillerie. Des pièces d'artillerie. Des gros canons pour attaquer les ennemis à des kilomètres de distance. Ça vous parle? Bon, allons-y. N'oubliez pas de prendre des grenades fumigènes au passage. Pourquoi donc? Prenez les grenades fumigènes, mais je n'ai rien à foutre des grenades fumigènes. Voilà. On dirait que vous avez tout ce qu'il nous faut. Dès que vous aurez construit... Une pièce d'artillerie. C'était quoi la quête? Bon bah quitte à poser des pierres d'artillerie, autant les poser aux bons endroits, je présume. Là ça pourrait être sympa. Alors. Défense j'imagine. Poste de garde, tourelle, piège. Projecteur, tourelle laser. Tourelle à missile. Mais c'est pas ce que je recherche, je vais voir ce dans spécial peut-être. J'ai pas fait attention. Artillerie pièce. Engrenage et ressort. Ça ressemble à quoi? Écoute. Hop. On va aller chercher ça. Pour commencer. Voilà, je fais des, je fais de la merde, hop. Voilà. Ok. C'est bien là. Moi qui pensais qu'on allait trouver des ressorts là-dedans. Hop. Machin, tu t'encombres pour rien. Oh, c'est pas vraiment pour rien. Respecte un petit peu leur... Oh merde, je voulais pas le prendre ce truc là, moi. Ok, parfait. Est-ce que j'ai ce qu'il faut, n'empêche? J'ai ce qu'il faut. Génial. Allons-y. Donc j'avais dit la pièce d'artillerie ici, côté ville, forcément. Ça me semble logique. Ok. Chers amis, il est l'heure de poser. Hop là. Une pièce d'artillerie. Le truc c'est que je veux... Tu dois confier cette tâche à quelqu'un. Oh. Hey, toi là-bas! Non, merde, tu peux pas te la confier à toi. Dis-moi pas qu'il y a personne d'autre! C'est quoi cette musique dans le fond? Peut-être quelqu'un par là. Alors, mon nom. Ah, là il y a quelqu'un. Ordre.
Hop. Hop. Ah, monte. Voilà. Non, je vais pas la stocker. Putain, mais... cette interface est tellement moisie. C'est terrible. Boum. Trou du cul, t'es où? C'est Preston? Ah non. Je crois qu'on commence vraiment à changer les choses. Yo. Bon sang, ça fait plaisir de revoir un peu d'artillerie. Un truc important à propos des gros canons. De près, ils servent à rien. Mais ils ont une portée impressionnante. D'accord. C'est à ça que servent les grenades fumigènes. Vous en lancez une sur les ennemis, et si on a de l'artillerie à portée, on n'aura plus qu'à régler le tir sur la zone de fumée après confirmation. Mais d'abord, on va faire un essai. Il faut qu'on soit sûr que les tirs sont justes. Vous voyez ce petit bâtiment là-bas? On va s'en servir de cible. Laissez votre radio allumée sur Radio Liberté pour qu'on puisse confirmer qu'on est prêt. Radio sur Radio Liberté. Votre sécurité. Ici Radio Liberté. Okay, général. Si vous m'entendez, on est prêt. Lancez une grenade fumigène sur la zone cible et on effectuera le tir d'essai. Vous écoutez Radio Liberté. Mouais. Rien à signaler. Faites attention à vous. Marquez la cible avec de la fumée. Mais je l'ai fait. Oula! Alors? Ok, on voit la fumée sur la cible. Vous feriez bien de rester à l'écart, on sait jamais. Alors? Ça y est. Boum. Bah c'est beau ça. Ben voilà une bonne nouvelle. Oh la vache. Oh la vache. C'est marrant, je pense à eux pendant ce temps-là. Tu lances un fumigène sous le machin. Feu. Vivement qu'on se barre. J'en ai marre de cette chaleur. Cette chaleur? Ça avait l'air bon vu d'ici. Ouais, c'est pas mal. J'ai compté sur le soutien de l'artillerie, général. Profitez-en bien. C'est parce que t'es chaude. Ouh. You touch my tralala. Hé. Hey. Parlez. Tu veux causer? Relation. Je voulais savoir comment tu vas. Ce que tu penses de nous deux. On s'en sort pas mal, toi et moi. Et c'est déjà beaucoup quand on voit le monde merdique dans lequel on vit. Oh, si mignon. Ok. Faut aller voir Preston, apparemment. Par contre, je vais couper cette radio parce que... Wow, ça me... Ok. Preston. Tellement de chargements dans cet épisode, chers amis. Si peu d'action, en plus. À part des mines. Et du bombardement, tu me diras. C'est pas grand-chose, hein. Mine et bombardement. Ça sera peut-être le nom de l'épisode, ça, mine et bombardement. Faudra que je note. Hop. Pardon. Hop, c'est noté. J'ai entendu des vaches. J'ai tellement envie de t'abattre, si tu savais. Ok, Preston, t'es où? Ah, la crapule. Oh putain, j'ai tellement envie de t'abattre. J'ai déjà payé. Tu sais que si je te pacifie, tu te fais abattre. Voilà comment j'appelle la pacification chez moi. Oh, mes systèmes ont hâte d'enregistrer de nouvelles données. Ce voyage est une expérience très enrichissante. Le voilà. Hop.
Yo. C'est à vous que revient le mérite, général. Oh, c'est gentil. Vous avez vraiment renversé la situation. Je ne pensais pas que les miliciens pourraient de nouveau compter sur le soutien de l'artillerie. Eh ben si. On va en installer dans toutes nos colonies pour couvrir plus de terrain. Et Ronnie Shaw revient d'entre les morts. Elle n'est pas comme les autres, hein. C'est une emmerdeuse de première. C'est pas la moitié d'une emmerdeuse. Ouais, elle s'arrête rarement à la moitié. Les anciens miliciens m'avaient parlé d'elle, mais je ne savais pas qu'elle était encore en vie. Si elle a décidé de revenir chez les miliciens, c'est signe qu'on est sur la bonne voie. Je vous préviendrai si j'entends parler d'une colonie qui a besoin de nous. Profitez-en pour proposer de l'aide à tous ceux qui en ont besoin. Ça ne peut que servir notre cause. Ok, je te remercie. Bon, bah ça c'est fait. Hey Nick, la forme ? La plupart des gens survivent pas à la première journée avec moi. Non. Là, vous m'épatez. Pas maintenant. Je reste dans le coin si jamais vous changez d'avis. J'ai du mal à traiter cet afflux de données. Ah, Curie, non ! Si je dis parfois des choses incompréhensibles, je vais tâcher de m'améliorer. Hop. Il est cassé de chez cassé, hein. Hop. Bon. Bon. Du coup, de ce côté-là, c'est fait aussi. Parler aux habitants de Sanctuary. Qu'est-ce qui se passe encore ? Oh, oh. Y a-t-il des gens normaux ici ? J'ai besoin d'informations sur ce qui se passe. Là. Pourquoi ça m'étonne pas ? Je veux juste faire un échange. Non. Putain. Attendez, je vais arrêter immédiatement ce que je fais pour vous parler. La salope. Ah, là voilà. Yo. Ce sont les miliciens qui vous envoient ? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Dites-moi juste de quoi vous avez besoin. Des pillards nous persécutent. Ils prennent notre nourriture, notre matériel, et ils nous menacent quand on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Oh, station satellite de Lusa. On sait d'où ils viennent, mais on n'est pas capable de leur résister. Je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire. Tant mieux. On ne pouvait compter sur personne d'autre. Oh, mais de rien. Rembobine ! Hop. Alors, ils sont juste là. Eh ben, écoute, on y va. On va aller juste à côté, carrière thicket. Et on va les sniper de loin, même si je pense que Calcaria, il y aura aussi des ennemis, c'est ça qui est dommage. Ça va nous faire un petit peu d'action, écoutez. Si on se fait attaquer, on va se défendre, merde. Chaque fois que vous améliorez votre niveau, votre santé augmente, vous pouvez choisir une nouvelle aptitude. Très intéressant. Si vous souhaitez qu'on reprenne un petit peu aussi l'aventure, entre guillemets, sans... On nous suit ou quoi ? Oh la vache. Hop. T'as du sang sur tes grolles, c'est con. T'es Gucci alors. Merde, j'ai chié dans la colle. Hop, c'est bon. Crac. Hop, on recharge. Oh la belle bête. Oh la belle bête. Ah. Oh, ils sont juste là. D'accord. What? Un cabot sauvage légendaire. Waouh, ouais, mais il faut se calmer les mecs, hein. Boum. Boum. On se calme. Tu as trouvé des trucs sympas ? Rien du tout. C'est la panne sèche, hein, littéralement. Enfin bon. Boum. Il l'a pas vu venir celle-là. Par contre, je suis vexé que cette arme... Alors j'utilise un mod, chers amis, actuellement, qui modifie les sons des armes pour avoir des meilleurs sons. Et je pense peut-être avoir fait une erreur, peut-être que je remettrai les sons normaux parce que je trouve que... Enfin, ça devrait pas faire ce bruit-là.
Des ratoupes avec des mines. Ah mince, j'ai oublié de recharger. What the... Râteau luminescent? Vous le voyez luminescent, vous? Bouffe! Bouffe, j'ai dit! Qu'est-ce que tu sais faire? Hop. Bon, je vois pas d'autres trous du cul, c'est marrant. Pourtant, je sais qu'ils sont nombreux là-bas. Bon, on y va, on bourre. D'ailleurs, si on dit qu'on bourre, on va pas prendre ça comme arme, on va prendre plutôt... chercher un truc hein. Qui est là? Ah voilà. La fête commence. Boum. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je te chie dans le. Ok. On va se reposer ici. C'est une vraie forteresse. Non, d'abord on descend. Hey, c'est pas là-dedans qu'il y avait un putain de une putain de porte avec rang maître. Oh. C'est vraiment flippant. Je suis à cran. Terminal de garde avancé. Return. Owners. Shax. Would you like Shax? Ah. Ok. Ok. On a rien. Là on a un petit quelque chose. Là on a quelque chose. Ok. Colors. Génial. Ouvrez la salle des renseignements. On y voit que dalle. Comment on est censé se battre dans ce merdier? Bah on ne se bat pas. De toute façon, vu le nombre de cadavres qu'il y a déjà dans l'endroit. T'as besoin d'aide pour ouvrir, je suis là. Ouais, tiens, vas-y. T'es où? Tu peux venir, s'il te plaît? Hey, psst. Tu veux quoi? Prenez ça. Non, je bah non. Je suis sur le coup. C'est dégueulasse ici. Vous pensez pouvoir déverrouiller ça? Un flingue chargé et des capsules plein les poches, ça c'est la grande vie. Fais ce que je te demande déjà. Tu peux... Psst. Ouais. Faites ce que vous pouvez. T'as des épingles à cheveux? Je suis à court. Ah, t'es à court? Hey. J'espère que ça en vaut la peine. Oh, et moi qui croyais que tu voulais faire un gros câlin. Oh, mais t'inquiète pas, ça arrivera. Tu verras mon gros câlin. Ok. Je crois que c'est dans soin. Hein. Ok. Non, je me trompe? Ah, oh, je sais jamais où est-ce que je suis censé les trouver. Gah, le bordel là-dedans. Le bordel là-dedans. Tiens. Prends-en une quarantaine. Commander. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de vos talents. Ouvre. Moi, je prends ça. Aucun problème. Je vais t'ouvrir ça en un rien de temps. C'est... Merde, presque. Faut croire que j'ai perdu le coup de main. Ah, j'adore ce cliquetis. Merci. C'est bon, elle est ouverte. Hop. Qui? On pourrait se retrancher un bon moment ici. Hey! Mais non, dans ta tête. Voilà, ça le fait. Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Un cadavre supplémentaire. Jusqu'au dernier. Il était temps que quelqu'un nous débarrasse de ces connards. Et comment? Alors. Mais oui, normalement, il est censé y avoir une chier de monde ici.
Y'a quelqu'un ? Non, y'a personne. Ils sont juste là. Qu'est-ce que... Putain, tu vas me le payer ! Ouf ! Du bol. Mince. Bon, pas se marrer ! Allez, c'est déjà fini ? Ok. Ça, c'est fait. Pouh ! Tu te fais chier. Merde. C'est de la merde. Mais non. Lance-moi tout ça. Oh. Tu veux que je te donne à toi ? Donc c'est pas si moisi alors. Faire un bout de temps que personne a mis les pieds ici. Ouais. Parce que ça pue des pieds vraiment. Hein. Oh là là. Quelle odeur. C'est insoutenable. Porte déverrouillée, novice. Hop. Joli. Je m'en rappelle. Hop. Alors non, on va sortir ça. Hop, dans la tête, Alouette. Il fait pas lampe torche le truc que t'as collé au poignet ? Pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Ah, oh, Steam Pack 2, voilà, gratuit. Hop. Super, génial, je vois rien, que dalle. Mais viens, oh. Cesse de te plaindre. Ok. Pourtant, je peux te dire que récemment, il y avait des mecs ici. Hein. J'ai même très récemment. Excusez-moi, je suis encore malade, c'est chiant. C'est vraiment chiant. J'imagine que ça l'est autant pour vous. Donc, c'était pas l'endroit avec la porte verrouillée avec un truc... Je crois que c'était... Je sais plus. C'était pas un terrain d'entraînement ou n'importe quoi, quelque chose dans le genre. Je ne sais plus du tout. Merde, c'est pas ce que je voulais. Pas mal pour un combat rangé. Non. C'était pas. C'est une zone, c'était pas trop loin normalement. Pas une gare. Un étang. C'était peut-être ça en fait. Réserve fédérale des rations. Ouais, c'était peut-être ça. Je ne sais plus. Quelle heure il se fait ? Parce que peut-être que je mette vos vidéos en ligne. Non, ça va, on a encore le temps. On a encore le temps. De toute façon, si c'est cet endroit-là, on devrait pouvoir y arriver assez rapidement. Oh là, mais il y a de la vie. C'était rien. Oh, bonjour. C'est quoi ça? Tiens, regarde. Hop. Attends un peu que je te retrouve. Ça va chier. Que ça a bombardé. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, apparemment ça ne va pas bombarder. Peut-être trop loin tout simplement. Hein. Ah, ils sont là.
fait ce qu'elle peut. Hein. Hop les. Allez, Mouline. Hop. Bon, on y va. Hop. Oh, reviens. T'as entendu quelque bien, chose moi. Hop. C'était là, je crois que c'était là. On construit tout ça pour protéger quelque chose. Mais quoi? Hop. Je suis certain que c'était là. Je crois, hein. Je suis pas tout à fait sûr. Mais je crois. Hop. Je vais te trouver. Hop, et le 3. On dirait qu'ils ont tout décoré au bulldozer ici. C'était là. You better watch out, you better watch out. Voilà. Terminal de la réserve. Pourquoi je peux pas? Peut-être parce que je suis dans la... dans l'armure. Hop. Ah merde, le bonus fonctionne que quand je suis... Bon bah d'accord. Ok. Oh là, il s'y est mis vite. Vanquished. Non, c'est pas ça. Strategies. Thereafter? Non. Quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Ici. Hop. Ici. Ici. Est-ce qu'on va voir autre chose par contre? Ce serait bien. Non. Flourishes. Non, raté. Bon, on va attendre un petit peu. Hein. Oh, le grand monsieur. Est-ce que oui, il y a d'autres portes? Putain, mais il y a quelqu'un derrière! What the? Il y a quelqu'un derrière? Possession. Futuristique. Oula, 5. Avec futuristique. Alors là, 5 avec futuristique, je vais même pas réussir à le trouver. Je sens que j'ai pas réussi à le trouver. Ça va être une véritable catastrophe. Futuristique, je vais mettre ça, mais non, c'est pas ça. Ça allait pas être ça. J'y suis. Oh putain, le coup de bol. Commande de la porte de sécurité. Ouvrons les portes. Ah, je peux plus sortir. Si, c'est bon. J'ai jamais compris c'est à bon. Quoi ils servaient ces terminaux. Qu'est-ce que... Salut. Je vous en prie, il faut que vous m'aidiez. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites ici? Ils me sont tombés dessus quand je faisais le guet. Je crois qu'ils vont bientôt me tuer. Aidez-moi, je vous en prie. Attendez. Attendez. Quelqu'un nous... Faites la ordure. Mon bras, il est cassé. Je crois que j'ai quelque chose de cassé. Appelez. Vous disiez, madame.
Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites ici? Ils me sont tombés dessus quand je faisais le guet. D'accord. Ils vont bientôt me tuer. Aidez-moi, je vous en prie. Ne vous en faites pas, je vais vous tirer de là. Oh, merci infiniment. Allons-nous-en vite. Je comprends pas qui c'est, elle. Pardon. On a de gros problèmes. J'espère que vous serez en mesure de nous aider. D'accord. Abernathy, c'est pas une fille d'un des... d'une des, comment, des fermes autour? Ça me dit vaguement quelque chose. Un coffre. Expert. Ça me dit vaguement quelque chose. C'est sans bon. Plus, hein, à vrai dire, hein, mais... Survivor's Ring. Pourquoi pas. Hey. Qui est là? Aïe. Merde. Arrête de jouer à cache-cache. J'ai pas mon armure. Oh putain, bonjour. Rien du tout. Partez, on n'hésitera pas à vous tuer s'il le faut. Bouge-toi le fion. Grenade. Merde, elle est cassée. Red tourette. Red tourette, exact. La belle syndrome de la tourette. Oh la vache. Oui, mais c'est qu'elle vivait bien en plus. Parfait. Plus difficile à détecter, pourquoi pas. Hop. Terminal de Red Tourette. Bah dis donc, moi qui pensais qu'on aurait pu trouver son... Ok, ça commence très très bien. Bon bah ça s'arrête là apparemment hein. Ici, hop. Et là, hop. End. Non, c'est pas end. Fear. Ah, c'est fit. Et voilà. Voilà. Très bizarre. Très très bizarre. Ok, on y retourne. De quoi? What? C'est complètement fermé ici, d'accord. Ah oui, non. Oh, Commonwealth. Non, j'ai mon armure. Y'a plus rien. On pense qu'on... Qui? Que, qui que quoi? D'accord, donc elle, en fait, elle était barricadée ici. Vous m'avez fait flipper pour rien. Pauvre bonhomme. Tu flippes. Hein? J'entends quelque chose. Non, non. On récupère l'armure et on se barre. Hop. Si tu viens parano, y a rien ici. Voilà. On y va. Hop. On la sort. Et elle sera bien contente. Voilà. Hop. Et nous, chers amis, on va mettre fin à... Ah non, il reste encore un mec derrière, donc je pense qu'elle va pas vouloir sortir. Si ? On devrait se reposer ici. C'est une vraie forteresse. Il est tellement beau ce lancer de grenade. Voilà. Ok.
Tout le monde suit ? Salut. J'espère que vous avez conscience de tout ce que vous avez fait pour nous. Là, je suis coincé. Ok. Abernathy, ça me dit quelque chose, non? C'est pas ça? Je sais plus. Bon, de toute façon, je vais la ramener ici. Et j'espère qu'elle va me quitter. Sinon, j'irai voir sur Google. Hop. Bon. Bon, eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam ou encore cliquer dans le descriptif ou dans la bannière. Donc vers mon partenaire GameSpot.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Vous pouvez aussi retrouver dans la bannière un lien vers ma chaîne Twitch qui sera prochainement ou qui le sera déjà pour vous activer. Hein. On verra suivant quand je le ferai et quand vous aurez cette vidéo. Encore une fois, merci à vous pour votre fidélité. Pardon, je vais y arriver. Excusez-moi. Merci à vous pour votre sympathie. C'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop. Salut Kate.